maudit! Wake the fuck up, samurai. We have a village to save. Tu n'aurais pas dû franchir le mur. Pars, tant qu'il est encore temps. J'espère que tu comprends mes mots. Propia Idruis, Protinae. Son niveau de pureté est étonnant. Intellectos, un étranger a franchi l'entrée du village. Un navire a chaviré. Si l'arbre sacré l'a laissé pénétrer, c'est que l'enfant au cœur pur est arrivé. Il faut prévenir Almarine. Il est déjà au courant, cela va de soi. Tactilus, souviens-toi du dicton. Ranamassam aptai nupser. Thank you.
Ça va aller, mamie. Tiens bon. Oh, merci, ma petite. Tu t'occupes bien de moi, putain d'année. C'est normal, mamie Madas. Vous comptez beaucoup pour nous. Kézak, réveille-toi. Va chercher de l'eau pour mamie. Qui va là? Attendez, vous êtes un voyageur? Par pitié, aidez-nous. Mimosa, un étranger qui est arrivé au village. Vraiment? Celui venu nous délivrer de l'elfilm? Je l'espère. Une terrible maladie s'est mise à ronger notre village. Et notre grand-mère d'amour en est victime. Shadari est revenu. Il est revenu. Shadari. Oh mon Dieu, Shadari. Il est en mauvais état. Va chercher de l'aide. Ok. Shadari. L'orchidée qui est venue me prévenir. Que s'est-il passé? Tu étais mal en point, je savais que j'aurais dû y aller à ta place. Non, Mimosa. Je le trouvais plus fort que moi. Le pouvoir du pêcheur dépasse mes craintes. Sans le pouvoir de Floras, nous ne pourrons rien faire. Mimosa, prends soin des autres pour moi. Il n'y a rien de plus précieux que la famille. Peu importe le prix, prends soin d'eux. Je te le promets. Voyageurs, aidez mon village, aidez ma famille. Je vous en prie. Aidez-les. Un Shadari. Chef de se voir. Quoi? T'as un problème? C'est par ici. Qui c'est? Il est arrivé. Viens donc, mon enfant. Installe-toi. Nous t'attendions de cela des années. Il est écrit dans la prophétie, livre 7, verset 10. Le garçon aux cheveux bruns, apporté par les eaux, une fois témoin du cri du village, anéantira la source de leur mal. Oh, tu m'écoutes là? C'est pas possible! Ivan Scryf. Ah oui, tu parles pas notre langue. Tu sais pas parler en fait. Bon, je vais t'accorder les mots qui te permettront de nous comprendre. Quel est ton nom? Mon nom est Hérocon. Hérocon, cela me dit quelque chose. Les grandes collines de Ropi. C'est Hérocon, monsieur. Oui, enfin ça revient au même. Mes excuses, je ne me suis pas présenté.
Mon nom est Almarine. Sur les ruines de l'ancien royaume, nous sommes seuls à bénéficier de la protection du Testiculum, l'arbre sacré, symbole de longévité et de féconditude. Son pouvoir fertilo-cosmique éloigne les êtres maléfiques, tandis qu'en dehors du village, les hommes luttent seuls pour subsister. Cependant, sans crier gare, une terrible maladie a finalement réussi à nous atteindre. L'elfine, un mal émanant d'un être maléfique ayant perdu son humanité. Pêcheur, un homme dévoré par le péché qui veut nous anéantir de l'extérieur. Seule Floras, la fleur sacrée des temps anciens, peut nous soigner de cette terrible maladie. Cependant, nous sommes trop faibles pour nous confronter aux vagabonds cruels et sans pitié. Je vous confie cette amulette. Elle vous mènera à Floras. Celle-ci fut enchantée par le grand mage Grumsdabar, ou la tour écarlate aux portes de l'Olivarius. Mais pourquoi il y a toujours une amulette magique ? Comment ça ? Comment ça, il y a toujours une amulette magique ? Sans amulette magique, comment tu veux retrouver Floras, la force sacrée des temps anciens ? Hein ? Vas-y, dépêche-toi ! Tu vas pas attendre qu'on crève tous non plus ! Pauvre débile ! C'est l'élu. Il est différent de celui qui est venu m'affronter. C'est un étranger, pécheur. Crois-toi, mais ton sou. Bien trop pur pour attiser l'elfine. Silence, Mougou! C'est leur chef qui doit être anéanti. Je réserverai le silence à mes prochaines victimes. N'oublie pas que c'est moi le maître ici. Sans moi, je ne pourrais venir à bout d'Almaroun. C'est lui qui m'a dérobé au chemin. Floras, oh! Bien. Voyons voir ce dont est capable ce voyageur. Following the values of Ropia. You help someone when they're in need, even when they're weird. Ça va pas de renoncer une demoiselle comme ça?
Braca. Bah oui, c'est moi. Flouros, la fleur sacrée des temps anciens, il faut. Ah si, je suis irrésistible. Je comprends que tu sois intéressé, mais... c'était pas mon genre. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. On s'ennuie à mourir dans le sou. Ah oui, la solitude, rencontrer personne, rester seul toute sa vie et tous être triste. Ben enfin, tu prends une fleur, tu dois comprendre. Oh, t'as des pieds, prends un et des petites promenades. Au fait, est-ce que tu sais qu'un cueillon, des créatures maléfiques, elles savent qu'est-ce qu'on est? T'es rassurant. Dans la terre, je dis indétectable. Oh, Iblis, il y a mon papou qui me cherche. Au fait, pourquoi tu parles, toi? C'est peut-être toi qui es foin, fils. Et tu vas au village, je parie. Pourquoi t'as écouté vieux chelou, fils? Comment tu sais ça? Ah, parce que tu penses vraiment être le premier? Eh bien, bête-toi. Enfin, je commence à avoir l'habitude de tout ça. Un voyageur qui me cueille pour un vioc. Une fois, c'était un elfe au bon hiver. Parfois, c'est un guerrier, un moine ou bien un pêcheur, enfin voilà quoi. C'est Mugu qui est à l'origine dans le film. Celui que tu devrais éliminer pour sauver tes villageois, de mes deux. À la place de rapporter moi, qui est une fleur à eux. D'ailleurs, le pêcheur risque de pas te laisser faire un fait. Hé, hey, peu importe qui vous êtes. Si vous cherchez des problèmes, je croiserai le fer. Fais attention à ce que tu dis, hein. Ne t'en fais pas. Je m'attaque pas aux gens qui sont... comment dire... sympathiques. Voilà. Je suis qu'un vagabond. Tu feras attention. On est un voyageur, n'y a pas sa place ici. C'est dangereux. Tu devras rebrousser chemin. Dans cette forêt, les gens, ils sont pas très agréables. Impossible. J'ai une quête à accomplir. Laisse-moi deviner. Fleur. Une épée. Une princesse à sauver. T'es une princesse à sauver? Elle est jolie. Je dois purifier le village de l'elfilm. L'elfilm? Comment ça? C'est quoi ça? J'avais entendu parler. C'est quoi? Vraiment? Tu vois? Toi là, je vais t'attraper, Delphi! Ouais, c'est ça, vas-y, va-t'en! Qu'est-ce que tu veux? Toujours pareil, ces gnomes nudistes, hein. Ils viennent pour leur cocharie, ces petits coquins, là. J'ai entendu beaucoup d'histoires, mon beau de ce village. Un refuge idéal pour toute personne voulant vivre paisiblement, tu vois. Et renfermé, je m'intéresse. Depuis ma naissance, je vis dans ce monde froid et hostile. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Tellement que j'en ai vu le vivarus de mes propres yeux. Oui, mais moi, j'ai la fierté d'un homme libre. Et ça, personne ne me l'arrachera. Viens ici, mon ami. Bonne chance dans ta quête, mon garçon. Oh. Oh. Ah oui, ça me revient. L'autre jour, j'ai croisé un homme. Bizarre, avec une énorme canne à pêche, mais plus énormissime que j'en ai jamais eu. Jolie canne, t'as quelque chose à compenser? Ah, je la ressortirai. Eh,
Lydia. Eh, vous savez où vous allez? Pas du tout, je suis toujours paumé. Bon, bah, je vais aller vers le nord. Merde, tu parles. Bonne chance! Thermidor, enfin tu te réveilles. Ça va? Je t'en supplie, ne tente rien de dangereux. Arrête, Thermidor. Shadari y a laissé la vie. Laissons l'étranger s'en charger. Plutôt mourir que de laisser les autres mourir à ma place. Je ne vis que pour vous. Je sais que vous seriez attristé de me voir partir. Et je ne devrais vous causer de tels tourments. Cependant, vous êtes vous aussi enchaîné à cette réalité. Alors que je ne peux changer sans vous. Thermidor, je viens avec toi. Mais nous risquons de passer le point de non-retour. Mimosa est malade, elle aussi. Cela semble vraiment risqué de partir. Mais le sacrifice de Shadari ne restera pas vain. Je ne peux m'opposer à la volonté d'Almarine. Mais faites attention! Bonne chance. Et tu parles plus? Hérocon, c'est ça. Le nouveau pantin d'Almarine. Almarine est bon! Et tu es condamné à te sacrifier pour leur peuple égoïste. Car tu n'es qu'un étranger. Ces villageois luttent depuis déjà bien trop longtemps, face à l'oppression de Mougou, celui que je suis venu pour toi! Tu es donc aveugle à ce point. Voilà bien là l'âme d'un guerrier. Cependant, j'ai promis de le venger. Dans l'illusion, les esprits fragiles, dévorés par le péché, tu en as perdu la raison. Je suis Floras, et mon essence est la purification du péché. Je suis né pour te purifier. Purifier ton esprit! Ah!
Floras! Floras! Léocon! Floras, ne me pleure pas! Je ne suis que le fruit de Mouko! Non! Quel film? Je ne suis que le remède à court terme permettant de perpétuer le cycle. C'est l'éternel retour. Floras, ne dis pas ça. Je vais devoir encore une fois confier mon pouvoir. Léocon, la fin approche. La route qui fut tracée pour toi s'arrête ici. Maintenant, c'est à toi de décider. Qui êtes-vous? Je suis la déesse Ménélias, mère du Testiculum. Depuis des luttes, les héros perdus se succèdent pour venir à bout de Mougou. Mais qui est Mougou? Il est un être né de l'elfine. Mougou n'est pas un monstre. Mougou n'est pas un homme, c'est celui qui se cache en chacun. C'est celui qui se fait U. Le U n'est autre que le reflet de son propre antagoniste, se servant des autres pour assouvir ses propres désirs. Floras, l'enfant de Mougou, n'existe que par le fait de l'existence d'Almarin, et celui-ci t'a légué son pouvoir. L'elfine née du cœur des hommes, se confondant sans cesse à eux-mêmes. Chacun eu par l'autre. C'est le cycle de l'elfine. Hein? Je comprends rien. Ah non, mais vous allez pas me le faire, vous aussi. Je me ferai pas eu une fois de plus. À un moment, faut arrêter, hein. Allez, courage! On y est prêt. Oh! Alors comme ça, vous vouliez quitter le village ou de là à la frontière du Testiculum? Ah, c'en est trop! Peu importe ce qui m'arrivera, au-delà de Testiculum, ce sera ma responsabilité désormais. Et si vous voulez continuer d'user de l'ignorance, je ne vous suivrai plus. Hein? Vous n'êtes qu'une bande de pourris gâtés égoïstes! Toutes ces années à profiter des foyers que j'ai construits. Je vous ai nourri avec mes enfants. Je voulais vous offrir un avenir meilleur.
ordonnance pour l'emparer. De plus, qu'est-ce qui aurait fait ce voyage entre nous, hein? Si nous n'étions pas là, je vous ai fait grincer un vagabond de main droit. S'il n'avait pas rencontré notre village et nous, je suis sûr qu'il serait déjà mort alors qu'il est... Nous ne savons rien. Nous ne l'avons jamais croisé. Vous qui nous enfermez. Tout ce que je sais, c'est qu'au-delà du Desiculum, il y a des héros qui résident. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien du monde froid et hostile qui vous attend. Où l'on piétine vos rêves comme de la poussière. Alors, qu'il en soit ainsi. Je me sens si seul. Moi, enfermé dans cette grotte, qui pourtant me protège. Oh, il a été touché par Florence. Florence. Oh, je suis si bon. Florence, je t'aime. Je t'aime, toi. Je vois déjà le plein bonheur qui m'attend auprès de Florence. Les fleurs du mal, bien qu'éblouissantes par leur éclat, ne laissent finalement dans mon cœur qu'une empreinte froide et brute. Anne-Marie me l'a bien remis. Lui qui a tout ce que j'aimais, et pourtant pas ce que j'aime. L'infirme des hommes nourrissent mes peines et me font grandir. Celle d'Almarie m'ont donné vie. Mais toi, tu peux m'aider. Reste auprès de moi. Je sens que tu me tournes. Derrière les rires se cache l'être torturé. Moi aussi, j'ai longtemps cherché. J'ai espéré. J'ai rêvé. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun repère. Je suis loin de l'avenir que je m'étais imaginé. Et j'ai encore du mal à l'accepter. Que je ne retournais jamais chez moi. Que mon passé est derrière moi. Et que ce que je croyais voir au loin n'existe pas. J'ai eu tant d'espoir. J'ai été trahi. Non pas par les autres, mais par moi-même. Mougou, tu n'auras plus personne. Car c'est toi qu'ils ont eu. Je ne suis eu par personne. Sais-tu pourquoi les hommes oublient leurs rêves? C'est parce que ils les abandonnent. Jamais abandonner. Florence, de mes désirs, le fruit de mon être, de mon âme. Florence, venu devant moi, venu en vue. Repose en pied, Boubou. Mordlakon. Eligas Greif. Oh, Hirokon. You've accomplished your destiny. You've vanquished the Futobaki. Even though I died on that ship, you survived. Mugu is no more. You're free from your demons. C'est du passé tout ça. Allons de l'avant.
encore peur d'elle. J'ai du beurre, ouais. Ah, mon ami, ça fait plaisir de te revoir. Alors, comment s'est passé, ta princesse? T'as vu un petit bisou? Un joint. Mais bon, c'est pas facile, hein. C'est ce qu'on dit. 10 de perdu, une de retrouvée. Ah non, 10 de perdu. Ah si, c'est ça. Sinon, ce serait pas logique. C'est moi dans la vie. J'ai l'erreur d'attendre que les choses me tombent dessus. Tu vois, ça tombe jamais dessus. D'ailleurs, s'ils en ont la volonté, j'espère que ces villageois pourront sortir librement de leur village. Tu vois, histoire de prendre l'air. Ça vaut le coup si c'est pour rencontrer des gens comme toi. Et au fait, regarde ce que j'ai trouvé. Floras ? Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Tu sais ce que c'est ? Une espèce de truc pas net par ici. Ça pourrait être dangereux. Viens avec moi. Truc d'être mis en lieu sûr. Il est temps d'aller en Franche-Comté. Le chevalier au balai a disparu. Ah, le chevalier au balai. Vous connaissez ? Non, j'ai pas entendu parler. Mais si, celui qui a sauvé la Franche-Comté, après la mort du roi Jean-Louis II. Bon, que c'est mauvais signe. On devrait apporter ça au grand mage à Gramzaber. Lui seul pourrait le conserver. J'ai entendu parler d'une certaine Lindenbrück. Elle guide les voyageurs œuvrés en Franche-Comté. Pour pas trop chier. Elle connaît sûrement la route pour nous ramener à Gramzaber. Allez, viens. Mais au fait, c'est qui toi? Oh, c'est joli. C'est un vagabond.